Eh bien, vous êtes avec les expertes et les experts automoto en studio monté à l'hôtel Batelière, que je remercie, avec grandautomobile.fr et Maxi Martini qui diffuse le programme RMC Antilles. Vous êtes avec la bande AJM sous vos applaudissements. Décidément, cette phrase, on la garde, hein, sous vos applaudissements. Ok. C'était un hommage à Jacques Martin. Ok, bonsoir. Bah ouais. Merci à Eleonore Théodos, qu'on peut applaudir bien fort. Vanny Lemouliec, Jimmy Tomer, Andrea Tufano, et JM. Et bien sûr JM, de la bande à JM, évidemment. Bah ouais, c'est sûr. Bon, ils m'ont proposé là cette année de faire l'émission tout seul, j'ai refusé. Bon, ouais. C'était moins marrant et tout. Non, c'est vrai. Finalement, je vous garde finalement. Hein, voilà. Donc. C'est trop généreux, messieurs. Bon, dit-il. Bah, oui. On peut dire merci à nos partenaires Speedy Martini et ses 6 centres de réparation. Merci à Joe Magazine, le magazine du savoir vivre aux Antilles Guyane et qui sort bientôt puisque ça y est, hein, c'est la nouvelle saison, oui. Sur tous les 6 mois. T'as un article, Hélène ? Les années 70, deux articles. T'as fait les années 70, donc. Non, c'est la thématique de tout le genre. Ah, c'est la thématique, ouais. Voilà, d'accord. Et ben, c'est très sympa, parce que dans les années 70, il s'est passé pas mal de choses, surtout musicalement. Merci à Crozatier Meubles et Décorations, merci au Crédit Mutuel Antilles-Guyane, et ce soir, nous avons le plaisir de recevoir, dans un petit moment, un instant, hein, Régis Despont, de l'association AKLM. Il n'est pas venu tout seul, donc on verra avec qui il est venu, elle va se présenter tout à l'heure, hein. Je suis désolé, mais sur ma fiche, j'ai pas votre nom. C'est Eleonore, hein, qui me fait les fiches, et en général, il y a des erreurs. Comme donc, pas des armes. N'écoutez pas ce qu'il dit. De quoi nous allons parler ? Eh ben, d'un sujet très sympa, c'est le canyoning sur notre île en particulier, et en plus d'un événement qui va se produire ce week-end. Donc on va en parler, si vous êtes d'accord, dans un petit moment. Alors, nous recevrons également dans cette émission, grâce à Jimmy Tomer, la société Bolloré Logistique, Audrey Joly, qui est responsable régionale des ventes en Martinique, et puis Darvi Forestier, qui est commercial, c'est bien ça, je ne me trompe pas, voilà. Et puis, il y a même peut-être une troisième personne, si elle est bien là, c'est Cindy Adelage, elle est là. Assistante commerciale. Alors, on va essayer de recevoir tout le monde, ce n'est pas certain, parce qu'on n'a peut-être pas le nombre de micros, mais on verra à se partager peut-être un micro tout à l'heure. Et normalement, on doit recevoir, mais c'est pas certain encore parce que je le vois pas arriver, on doit recevoir le conseiller commercial de chez DS Martinique pour parler du tout nouveau DS7 e-Tense 225 chevaux restylé. Si c'est pas le cas, eh bien Andrea Tufano, grâce à elle bien sûr, parce que c'est un peu la sauveuse de l'équipe quand il y a un pépin, c'est elle qui récupère les trucs, elle nous parlera de conception de voiture. C'est vrai qu'on parle beaucoup de voiture et de moto, on parle rarement de la conception du véhicule. Donc quelles sont les différentes étapes? Elles sont pas nombreuses, mais c'est bien de les connaître, avec des métiers qui sont associés. Ce sont des métiers associés, voilà, exactement. Et on verra que l'IA n'est pas forcément présente tout le temps. Elle est présente, mais pas tout le temps. C'est encore des métiers manuels dans le secteur de l'automobile. Donc c'est artistique pas... aussi. Artistique, bien sûr. Tout à fait. Artistique et de design, donc par définition. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce programme? On n'a pas trop le choix, hein, comme ça. Ouais, on n'a pas trop le choix. C'est vrai. Je me suis retenu pour une fois, mais bon. En même temps, c'est faux ce qu'elle dit, hein, si on réfléchit bien, parce que finalement, c'est vous qui faites l'émission. Ah, c'est vrai. Hein. Et oui, c'est vous qui faites les chroniques. Hein, donc moi, je suis là juste pour pas faire grand-chose. En fait, je vous regarde parler, c'est agréable. Ça dépend des gens. Non, pas du tout. Ça dépend pas des gens. Allez, bah, si vous êtes d'accord, on se tourne vers Vanille, qui reçoit donc nos invités du canyoning. Et on va demander à la dame de se présenter si elle veut bien, parce qu'on l'a pas fait tout à l'heure. Alors, Alexandra Demojo, donc, je suis en Martinique depuis maintenant 15 ans et j'ai la chance d'être secrétaire dans ce petit club. Il y en a qui font du foot, il y en a qui font du hand, bah, nous on fait du canyon. Voilà. Bon, bah, pourquoi pas, après tout. Et Dieu sait que l'île en plus s'y prête un tout petit peu quand même. Oh, bah, l'île s'y prête énormément, on a la chance d'avoir une nature luxuriante, des rivières à n'en plus finir, exactement. Et voilà, notre sport consiste à descendre les rivières grâce à un baudrier et on descend sur des cordes en rappel. Allez, ben on passe à Vanny et puis Vanny va nous aller un peu plus loin. Ok, donc bonsoir Régis et Alexandra. Bonsoir. Donc merci déjà d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Donc bon, Alexandra a déjà un peu anticipé les questions en disant ce que c'était donc le canyoning, puisque peut-être que tout le monde n'était pas vraiment au courant, mais en effet, donc descendre les rivières en rappel. On peut appeler ça un sport, on est d'accord? Tout à fait. Oui. Parce que c'est quand même assez physique. Tout à fait. Est-ce que on peut l'exercer, ça peut être fait par des enfants, des adultes? Est-ce qu'il y a un minimum d'âge requis pour pouvoir accéder à ces activités? Comment ça se passe un petit peu? Alors, je ne sais pas lequel des deux veut répondre. Alors, on va parler, nous, pour la sortie, pour la journée porte ouverte qu'on organise le 7 mai. Alors, en globalité, pour l'instant, globalité, et on va revenir à la journée porte ouverte. Il faut un équipement spécifique pour les enfants. Il faut un baudrier adapté, donc en fonction de la morphologie de l'enfant.
Après, tout dépend aussi de la morphologie de l'enfant, pas uniquement de l'âge. Mais oui, on peut emmener des enfants. Ok. Pas trop petits, mais voilà. Ok, voilà. Entendu. Moi, j'ai envie de dire à partir de 12 ans, ça paraît être là, un petit peu le bon âge. À partir de 12 ans. Voilà, okay. Ça m'est arrivé d'en emmener des plus jeunes, hein, mais voilà. Après, il faut pas faire une sortie complète. C'est juste une petite initiation avec un petit. On les descend en rappel. On les assiste à 100% en fait, hein, ces enfants-là. Okay. Voilà, ils descendent de pas par eux-mêmes. Voilà, on les descend. Quand vous parlez d'initiation, j'ai cru comprendre qu'il y avait donc plusieurs niveaux. Tout à fait. Alors déjà, combien y a-t-il de spots à peu près de canyoning en Martinique ? Alors il y a plus de 120 okay. canyons possibles en Martinique. Okay. On en a 4-5 d'initiation. Okay. Donc où là, j'ai envie de dire, c'est à la portée de tous. Sur 120, c'est pas beaucoup finalement. Non, alors ouais. En fait, ils sont vite classés en difficulté parce qu'il n'y a pas forcément de sortie facile. Il n'y a pas forcément de petite distance en termes de marche et en termes de durée totale du canyon. Il faut savoir qu'il y a souvent une petite marche d'approche. Ensuite, la partie du dique, à savoir descendre dans la rivière. Et puis ensuite, une petite marche de sortie pour pouvoir regagner son véhicule et ressortir de l'endroit, quoi. Donc ce sont ces points-là qui les classifient en termes de difficulté. Alors la difficulté, exactement, elle est classifiée par plusieurs choses. Les hauteurs des différents rappels. Ok. La longueur et puis les échappatoires possibles pour pouvoir sortir en cas de difficulté météo ou en cas de problème accident ou voilà. Okay. Alors j'ai une petite question si Vanny me le permet. Oui. Ça se rapporte quand même beaucoup à l'escalade. Alors c'est de l'escalade mais complètement à l'envers. Oui. L'équipement est similaire à de l'escalade parce qu'il y a un baudrier, il y a quand même du rappel, il y a casque, on va dire bien évidemment on descend, on ne monte pas. Tout à fait. Donc c'est l'inverse mais on va dire une personne qui est sensible à l'escalade peut être sensible à du canyoning. Oui, également. Souvent c'est la sensibilité elle est vraiment sur la nature. Les impressions sont les mêmes, hein. Elles sont tout à fait les similaires à peu près, hein. Donc quand on est en haut d'une paroi, qu'elle soit même de 5 mètres. On a des appréhensions, après ça se travaille. Par contre, la difficulté, ce n'est pas de grimper, hein, c'est de descendre, d'avoir une attitude pour descendre correctement, voilà, en évitant de se faire mal, d'avoir des appuis stables sur les parois. Et puis celui qui a inventé le canyoning, il a rajouté l'eau aussi quand même. Alors tous les canyons ne sont pas aquatiques, hein. On en a quelques-uns en Martinique, donc celui du saut du gendarme où on organise la journée porte ouverte, il est aquatique, donc c'est pour ça aussi qu'on met une combinaison. Pour se protéger du froid, de l'eau. Le saut du gendarme, vous faites le canyoning au sol. Oui, ouais, vous voyez l'arrivée. Moi je connais l'arrivée. Ouais. Donc, l'arrivée va être superbe, hein. C'est une tyrolienne à l'arrivée, donc c'est chouette. Ouais. L'idée, c'est d'emmener un petit peu des gens à découvrir le petit sentier et de faire trois derniers rappels avec une arrivée sur la cascade en tyrolienne. Et il y aura aussi un petit saut pour ceux qui le souhaitent. Alors, si je peux me permettre, l'avantage de ce sport pour l'avoir déjà pratiqué un petit peu, c'est que contrairement à l'escalade qui va vraiment mobiliser des groupes musculaires et notamment les articulations, je pense à toutes les personnes qui peuvent avoir un handicap, et ben ce n'est pas le cas dans la descente, c'est-à-dire que c'est autre chose. On va utiliser certes les jambes, mais moi ce que je ne peux absolument pas faire en grimpant, je peux totalement le faire en descendant et c'est quand même très bien. Il ne faut surtout pas se bloquer si des personnes ont peur par rapport à leur état de santé. Il faut vous poser la question, hein. Vous pourrez y répondre. Mais... C'est-à-dire que des personnes, par exemple, qui ont de légers problèmes de dos peuvent pratiquer du canyoning ou pas? Oui, après, à petit, c'est comme tout sport, niveau, il vaut mieux pas. Enfin, si tu viens d'avoir une opération il y a un mois, non. Si t'es pas dans le gainage, comme. Si t'as 36 vis dans le rachis, on va éviter, je pense. Ouais, alors, j'ai 4 vis, mais je continue à canyonner. Donc, ça peut être. Quelqu'un qui connaît, qui en a déjà fait, effectivement, qui sait ce qu'est le canyoning. Juste bien parler en face du micro. En fonction de sa douleur, oui, il pourra peut-être faire une sortie. Maintenant, si c'est quelqu'un qui n'est jamais sorti en canyoning, en débutant ou pour la journée porte ouverte, moi je déconseillerais de faire une activité canyoning parce que avec l'appréhension, il peut être tendu, donc il peut développer davantage sa douleur et se faire encore plus mal. Donc non, il faudrait pas le faire à ce moment-là. Ouais. De toute façon, vous inquiétez pas, mesdames, à partir d'une certaine hauteur, on vous met un parachute. Tout à fait. Voilà. Ouais. Oui, puis il y a des sauts aussi dans le canyoning, parce que là, on parle de rappel et de descente, sauts. Mais il y a des moments où on a le choix. Alors, les sauts ne sont pas obligatoires. Ça fait partie des fois un petit peu du côté fun des canyons, hein.
Mais souvent, dans les sauts, il y a souvent des équipements à proximité qui permettent de descendre en rappel dans tous les cas. De façon à laisser toujours le choix à la personne, en fait. C'est important. Voilà. Ce qui peut être rédhibitoire au canyoning, c'est vraiment le vertige, un vertige maladif impressionnant. Bon, à ce moment-là, c'est vrai que ça, c'est la seule possibilité où on serait obligé de faire demi-tour. Quoi. Pour rassurer un peu les gens, donc, vos compétences, finalement, c'est quoi ? Il faut faire une école de canyoning pour devenir... Non, alors là, en fait, nous, on est donc un club. Ouais. Et tous les gens qui seront à la journée porte ouverte sur le haut des rappels sont des gens qui ont été formés, soit des moniteurs canyon, soit des initiateurs, comme nous le sommes. On est quand même nombreux à être formés de façon à pouvoir encadrer la totalité des personnes en sécurité... Et de les rassurer, et de leur faire prendre un grand plaisir. Voilà, ouais. Tu voulais devenir prof? Non, mais moi je pense toujours aux auditrices, aux auditeurs, parce que voilà, ils se disent si j'y vais, est-ce que je serai bien encadré? Est-ce que... Donc, oui, c'est sûr, vous êtes bien encadré. Oui, oui. Justement, du coup, au-delà de venir présenter le canyoning en général, et c'est déjà très intéressant, en fait, vous venez aussi parce que bientôt il y a une journée. Ce week-end d'ailleurs, une journée porte ouverte, donc le 7 mai, de 9h à 15h, qui aura lieu justement au saut du gendarme et qui est faite pour faire découvrir l'activité, c'est ça, aux petits et aux grands? Tout à fait, à partir de 13 ans. Ouais. Okay. Voilà, l'idée, c'est que vous arrivez comme vous êtes, en basket, en maillot de bain. On s'occupe de tout. Vous arrivez sous le carabet de la cascade du gendarme. Là, vous avez des petites mains bien sympathiques qui vont vous équiper en fonction de votre taille. Quand on est comme moi, très, très mince. Il n'y a aucun souci. Il y en a pour toutes les tailles et toutes les formes. Tu ne manges pas pendant deux jours et puis ça ira mieux. C'est pour ça qu'on n'a pas mis moins de 13 ans. Mm-hmm. Parce qu'on n'a pas forcément l'équipement adéquat pour les enfants qui sont plus petits avec des plus petits gabarits. Donc, dès que vous êtes dans un gabarit lambda, on a ce qu'il faut pour vous. On vous équipe d'une combinaison, d'un baudrier. Et puis à ce moment-là, on part sur une petite marche d'un petit quart d'heure. Et à ce moment-là, vous arrivez dans l'eau. Et ça se fait toujours en combi ? Oui. Combinaison, oui. Oui. Ouais. Oui, parce que même s'il fait chaud. Combinaison longue. Il y a une randonnée que j'ai faite il n'y a pas très longtemps qui me fait quand même un peu penser à du canyoning. C'est les Gorges Falaises. Les Gorges de la Falaise. Voilà. Je l'ai fait il y a une semaine. C'est incroyable. Je ne m'attendais pas du tout à ça comme randonnée. Et bien, vous pouvez faire le canyon en entier. Il y a un canyon qui arrive tout en haut et quand on finit dans les gorges de la falaise. Avec vous. Ça s'appelle Savane du Riz. Avec nous, où il y a des professionnels aussi. Mais vous le faites en Martinique. Oui, bien sûr. Ah, mais c'est incroyable. C'est très beau. C'est une petite initiation rapide que l'on peut faire. C'est une petite initiation douce. Nous, on est un club, donc on ne prend que en fait les gens qu'on connaît. Et puis là, en l'occurrence, sur la journée porte-ouverte, pour faire découvrir un maximum de Martiniquais. La rivière et le canyon. Et après, il y a des pros. Il y a une notion de plaisir, après, je suppose. Mais je laisse parler Vanny. Est-ce qu'après, il y a des... C'est-à-dire que si jamais, donc on vient le 7 mai, on adore le canyoning, on devient passionné, ça nous a donné envie de recommencer. C'est exactement ce qui m'est arrivé. Est-ce qu'il y a des abonnements derrière? Comment ça se passe si on veut repratiquer avec vous? Qu'est-ce que... Vous pouvez nous contacter, puis effectuer peut-être une autre ou deux autres sorties initiation. Après, c'est... Comme tout club associatif, vous adhérez au club, prenez une licence et puis après vous faites partie du club et on vous fait faire des sorties avec des difficultés différentes, crescendo, voilà. Ok, et donc vous avez un planning de sortie, j'imagine, voilà, des calendriers, organisé, voilà. Organisé, exact, ok. Okay, alors, super. Manille, juste une notion. Oui, vas-y, tu veux là. Vu que vous avez dit, Alexandra, qu'il fallait venir donc avec basket et maillot de bain, mais surtout avec votre bonne humeur. Tout à fait. Vous serez encadré en sécurité, venez avec votre bonne humeur, l'envie de découvrir, et puis vous serez pas déçu, je pense. Et ça alors, on a été très pratique, unique d'une autre manière. Hors des sentiers battus. Alors, on a été très pratique, c'est bien. On a bien expliqué ce qu'était le canyoning, les conditions de sécurité, etc. Mais après, il y a la notion de plaisir. Bon, parce que je vais l'avouer à Éléonore, qui sait pas tout de moi malgré tout. J'en ai quand même aussi déjà un petit peu fait en Ardèche et dans l'Allier. Et il y a une notion de plaisir immédiate qui arrive, qui est exceptionnelle. Quand on a vaincu notre peur de base, qu'on peut comprendre. Après, il y a quelque chose de spécifique qui arrive. Ah, c'est qu'on est en pleine nature, on est dans l'eau. On est dans des éléments qui ne sont pas habituels et on a l'impression d'être connecté à la Terre. Ouais, connecté, ouais, c'est vrai. Mais complètement. Bon, après, l'appréhension de tout le monde est là, mais la satisfaction à la sortie, les gens, ils ont la banane, ils ont le sourire. C'est un peu comme gagner un match, ou gagner un truc, je sais pas, quand tu sors de là, tu te dis, merde, je l'ai fait. Il y a des sauts quand même qui sont impressionnants parfois. Il y a des descentes. Il n'y a pas le choix. Vous êtes sûr, il n'y a pas d'hélico? Ben non, on y va. Tu as fait lequel?
Je me souviens plus du nom, ça va me revenir, mais je sais que... En tout cas, elle est arrivée dimanche matin, elle est repartie mercredi soir. Donc... Est-ce qu'on peut dire qu'il y a des sensations dans ce sport, des sensations fortes? Il y a des sensations, oui, et le fait d'être en haut d'une cascade de 10 mètres, ouais, et qu'il faut se lancer, il faut faire confiance au matériel, aux gens qui sont en haut, qui vous disent, il n'y a pas de souci, allez-y, vous allez vous régaler. Vas-y, saute. On voit les nœuds, parce qu'il y a toute une technique de nœuds. On voit que c'est pas du hasard, on n'est pas accroché. J'imagine. Alors du coup, comme vous êtes en pleine nature, quelle est votre relation à la voiture? Alors, et puis à la transition énergétique, vous êtes tous les deux en voiture électrique, je suis sûr et certain. Pas du tout, on essaie d'y penser et on va pas tarder à y arriver. Ouais. Bon, c'est vrai que ça vous trotte un peu dans la tête, ouais, finalement. Il y a quand même quelque chose qui me gêne ici, c'est que la centrale, elle est au fioul et que, du coup, même si je suis à l'électrique, je quand même consomme beaucoup. Mais 25% beaucoup. Quand même. 25. Il faut savoir que l'électricité qui est consacrée aux voitures, elle est verte, elle est vertueuse. Donc il y a 25% d'électricité consommée ici qui est destinée à la consommation sur les bornes de voitures. Donc ça, c'est une fausse idée qu'on a. Non, au contraire, l'électricité, okay, elle est fournie en majorité pour les voitures avec de l'électricité verte. C'est en cours, c'est ça. Ouais, moi, ça nous rassure quand même. C'est en cours, ouais. Après, il faudrait revoir certainement aussi les manières de consommer, parce qu'on a tous des voitures 5 places. Mm-hmm. À l'époque, mes parents ou grands-parents, ils avaient une voiture dans la famille et forcément, il y avait 5 places. Il fallait 5 places pour que tout le monde puisse voyager. Mm-hmm. Et maintenant, quand on voit les bouchons, la plupart des gens, ils sont seuls dans leur voiture, quoi. Alors, Alors, ce qui est marrant dans ce que vous dites, c'est bien d'en parler, parce que à la fois vous avez l'Europe qui veut absolument réduire la taille et le poids des voitures, vous avez compris, avec des nouvelles taxes, etc. Et en même temps, chaque année, les voitures en Europe prennent 1 cm de plus. C'est un chiffre réel, hein. Donc c'est quand même assez incroyable. Donc il y a un décalage un peu presque parfait. Voilà. Ça vous semble cohérent quand même, malgré tout, d'être dans une mobilité plus vertueuse? Ah oui, mais complètement, ouais, il faut. Hein. Mais après, moi, ça ne suffit pas. Je pense qu'il faut revoir notre manière de consommer, comme je disais. Mais, alors, pas uniquement la voiture, hein, mais sur plein de choses. Hein. Partager la voiture, c'est ça que vous vouliez dire aussi? Moi, je vous invite à covoiturer pour venir le 7. Développer davantage le transport en commun. Moi, je prends un exemple. Quand j'étais ado chez mes parents, il y avait... alors, je suis de Toulouse. Non, mais j'allais vous dire. J'allais vous poser la question. Hein. Sans blague. C'est un accent qui est Il y avait des bus d'entreprise qui passaient. Alors, des bus, c'est des bus 9 places qui passaient pour récupérer les employés des différentes entreprises et tout. Voilà. Et à partir du moment où toute la famille a eu une voiture, donc mes parents n'avaient qu'une voiture pour nous tous. Donc, mon père a une voiture, ma mère a sa voiture. Moi, quand j'ai eu 18 ans, j'ai eu ma voiture. Ces transports ont disparu, et pas que ceux-là, et ça a vachement réduit. On a enlevé aussi les petits trains de campagne. Oui, c'est ça, les trains qui consommaient pas grand-chose, et puis qui, voilà, quoi. Après... À quand le petit train Martinique? À quand le petit train Martinique? Pourquoi pas? Non, pourquoi, dans les bananeraies. Vanny, on vous remercie véritablement. On rappelle donc que c'est donc le dimanche, cette journée finalement nature ouverte, on va dire. Exactement. C'est le 7 mai. En bas du, en bas de la cascade du gendarme. À quelle heure, on rappelle les heures? À partir de 9h jusqu'à 15h. Il y a un numéro de téléphone qu'on peut donner ou pas? Ou vaut mieux aller sur l'adresse mail du club? L'adresse mail? À KLM... @orange.fr. D'accord, si on va le marquer sur la vidéo, ne vous inquiétez pas. On va mettre le flyer si possible sur avec site internet. Et puis n'hésitez pas à covoiturer pour venir nombreux le 7 mai. Avec plaisir, on le fera avec plaisir. on peut donc applaudir très très fort. Donc, c'est deux personnes qui sont venues nous voir de l'association AKLM. Et bien, bonne opération dimanche. Et merci à vous. Merci de nous avoir reçus. Merci avec beaucoup. Plaisir. Et on vous attend donc ce dimanche-là. On vous avec plaisir, on va essayer de venir. Vraiment. On fait une petite pause publicitaire, on revient avec de nouveaux invités. À tout de suite. Merci beaucoup. Merci à vous. Retour sur Maxi Martinique et grandautomobile.fr avec JM et toute sa bande qu'on applaudit bien fort, s'il vous plaît. Ouais, bravo! Ouais, JM, bravo! Monsieur, ne parlez pas que de moi, il y en a d'autres. Non, justement, Éléonore Théodose qu'on applaudit bien fort.
Vanny Lemouliec, Jimmy Thomer, et bien évidemment Andrea Tufan. Merci et surtout merci à nos précieux partenaires comme Speedy Martinique et ses 6 centres de réparation automobile. Merci à l'Hôtel Batelière, notre hôte de l'émission. Merci à Jo Magazine, le magazine du savoir-vivre aux Antilles-Guyane. Merci au Crédit Mutuel Antilles-Guyane et merci à Crozatier Meubles et Décorations. Et bien ça, si c'est pas du boulot bien fait, hein, franchement, alors là, tu auras une prime supplémentaire de 12 000 euros. Wow. Juste pour leur. Bah oui, bah l'entrée d'émission, c'est important. Allez, l'entrée sur cette émission, les gars. Elle a fait une formation d'un mois et demi, c'est vrai. Pour faire un, non ah, mais attends, avec le meilleur. Bah oui. Tout va bien ? Très bien. Bon, très bien. On est super content de rencontrer une société qu'on connaît bien en Martinique aux Antilles. C'est la société Bolloré Logistique. Donc on reçoit sur le plateau Audrey Joly, responsable régionale des ventes Martinique. Donc vous voyez, quand on dit des ventes Martinique, ça suppute qu'il y a d'autres départements. Donc on va en parler tout à l'heure. Oui, tout à fait. D'accord. Donc il y a un directeur général ou commercial global, ou etc., etc. Sûrement. Darvy Forestier, qui est commercial pour la société. Bonsoir. Enchanté, bonsoir. Merci d'être là. Et Cynthia Delage, assistante commerciale. Bonsoir. Alors, il va falloir vraiment approcher votre micro. Il faut parler près du micro parce qu'autrement, effectivement, on ne va pas vous entendre du tout. Et je sens que vous avez des petites voix. Carrément, vous le prenez. Vous le serrez fort. Vous pouvez passer la chansonnette. Vous le mangez. Alors, cette société Bolloré Logistique, eh bien, c'est Jimmy Thomer qui a eu l'intelligence parfaite de l'invité. Donc, on va lui laisser la parole. Et c'est sa chronique avec plaisir, Jimmy. Mais pourquoi j'ai souhaité les inviter? Et tu fais pareil, tu parles avec ton micro, s'il te plaît, oui, Jimmy. Il est là, regarde, il est là, il bouge pas. Et tu parles à côté. Mais mon tueur, t'inquiète pas. Il faut qu'on voit aussi. Tu sors. Il faut que mes invités me voient également. Alors pourquoi j'ai souhaité les inviter? Parce qu'on se rend compte que depuis plusieurs années, il y a de plus en plus de nouveaux habitants sur l'île. Il y en a qui partent malheureusement, mais il y en a surtout qui arrivent. Ah bah oui. Avec, n'est-ce pas Andrea? Bien sûr, je suis là. Et donc qui arrivent, outre avec leurs affaires personnelles, aussi avec leur véhicule. Donc il y a cette traversée transatlantique qui se fait de façon régulière. Et j'avais envie de savoir comment ça se passait pour tous ceux qui souhaitaient rentrer en Martinique. Comment ça se passait au niveau de l'administratif afin de savoir quelles sont les choses à faire pour pouvoir rentrer avec son véhicule. Que ce soit son véhicule personnel, un véhicule d'occasion qu'on a peut-être acheté en métropole, voire en Europe, ou un véhicule d'occasion. Il y a beaucoup de transitaires, de mandataires qui permettent de faire ce pont-là entre l'Europe et... C'est indépendant, en fait. Hein, oui, voilà. Et nos îles, tout à fait. Et donc, avec Bolloré Logistique, je me suis dit, tiens, je vais les inviter, je vais leur demander, afin qu'ils puissent expliquer aux auditeurs comment ça se passe, quelles sont les lourdeurs administratives derrière tout ça. Quels sont les papiers à remplir? Est-ce que tous les types de véhicules, Achoum, à tes souhaits, peuvent rentrer en Martinique? Et donc, c'est avec Audrey, Cynthia et Darvy qu'on verra ça ce soir. Alors, Bolloré Logistique, c'est une grande entreprise qui a maintenant un peu plus de 100 ans, plusieurs dizaines d'années maintenant en Martinique. Alors, Audrey, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de cette... On ne va pas dire de cette aventure, mais en tout cas de ce parcours qui est nécessaire pour les nouveaux arrivants en Martinique avec leur véhicule. Comment ça se passe pour eux? Alors déjà, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est vrai que nous, on fait beaucoup de transport de véhicules, que ce soit des véhicules légers, les voitures, mais aussi des camions, des food trucks, etc. Je suis venue aujourd'hui avec Cynthia Delage et Darvy Forestier parce que on est confronté souvent à des demandes et de tout type de véhicules à l'import et à l'export. Et c'est vrai qu'à l'import, c'est pas si simple. Et surtout, on parle de transition énergétique, on parle beaucoup de véhicules hybrides et électriques. Et on se rend compte que importer un véhicule électrique ou hybride, c'est pas aussi simple qu'un véhicule standard. Mmh. Il y a beaucoup de contraintes. Il y a des contraintes administratives, il y a des contraintes aussi de pouvoir ou non transporter ses effets personnels avec le véhicule. Et puis, il y a plusieurs méthodes. Alors, c'est vrai que la spécialiste chez nous, c'est vrai que c'est Cynthia, qui prend en charge beaucoup de demandes au quotidien, que ce soit de sociétés ou de particuliers. Donc, Cynthia, le particulier qui souhaite rentrer avec son véhicule, par exemple, comme Andrea, qui a peut-être... tu rentres avec ta voiture, en fait, Andrea, ou pas? Non, je rentre à pied.
T'es rentré à pied. C'est pas grave. Mais quelqu'un, comme Andrea qui souhaite rentrer en Martinique avec son véhicule, Cynthia, comment ça se passe? Est-ce que cette personne-là a la possibilité, comme on l'entendait auparavant, de pouvoir charger sa voiture au max afin de pouvoir la faire transporter dans un conteneur? Dis-nous tout. Alors, il faut savoir que, pour commencer, Bolloré n'est pas agréé en déménagement. Donc, on pourra effectivement prendre certaines demandes de particuliers, mais on va se limiter. Dans le cas des importations de véhicules, donc concrètement, je ne conseille pas les particuliers de les charger, tout simplement parce qu'il faut savoir qu'au départ comme à l'arrivée, les véhicules peuvent être sujets à des contrôles douaniers. Voilà, lorsqu'on déclare un véhicule, on déclare un véhicule, sauf que certains particuliers aiment bien transporter leurs effets personnels parce qu'ils supposent que bon, ben, ça facilite l'importation, sauf que non, ça complique. Et donc, il vaut mieux livrer un véhicule vide. D'accord. Éviter. Ce qui ne se fait jamais. Comment ? Ce qui ne se fait jamais. Alors, concrètement, nous sommes au bureau, donc on essaie d'avoir cette maintenance. Mais il faut savoir concrètement que certains clients chargent les véhicules, mais je ne leur conseille pas. Pourquoi ? Tout simplement, on déclare un véhicule. Vous allez charger le véhicule avec des cartons ou autre, ce n'est pas déclaré. Mmh. On livre les véhicules à des compagnies maritimes, d'accord ? On n'a pas de visibilité de ce qui se fait concrètement. Voilà. Et puis il y a un petit détail aussi, pour avoir transporté ma voiture de cette manière-là, il y a eu, je ne sais pas si tu as eu la même expérience, Vanny, énormément d'humidité dans ma voiture qui a été abîmée. Et si j'avais eu des effets personnels tels que des vêtements ou des choses qui peuvent être périssables, ils auraient été impactés. Ah, ils auraient été impactés. J'ai mais eu ça, un regret de n'avoir rien mis dans ma voiture. Mais ça, c'est principalement lié à la durée du transport. En général, la durée du trajet. La durée du trajet, donc il faut dissocier. Hein. Donc on a la possibilité de faire partir les véhicules en conteneur. Donc la durée du trajet est équivaut à aller à une vingtaine de jours. Mm-hmm. Voilà. On peut éventuellement charger les véhicules en roro. C'est un autre mode de transport. Alors qu'on explique, le roro. Le roro, c'est le roulant. Le roulant. Voilà, d'accord. Effectivement. Donc les véhicules sont chargés dans des grands navires, si vous voyez un petit peu au niveau de la cimenterie, les espèces de gros navires en bloc et tout. Le grand, donc, grand navire blanc marqué OEG. Voilà, tout à fait, voilà. La HUG. Et donc du coup, ils sont chargés à l'intérieur du navire, ils disposent chacun d'un emplacement bien spécifique. Et donc, ces véhicules-là, effectivement, ils ne sont pas trop impactés par l'humidité, d'accord, puisque c'est aéré, okay. C'est plus large, c'est plus souple. Donc, voilà. D'accord. Alors, donc, vous avez des... Pardon. Oui, ouais, allez-y. Oui, on recommande aussi de ne pas mettre de véhicule, parce qu'une fois que le véhicule est déposé au port, puisque lorsqu'on dépose des véhicules, c'est souvent au port, principalement celui du Havre, il ne faut pas oublier que les clés sont données. Il n'y a plus aucun contrôle de notre part, tout est au niveau des dockers, donc pour rentrer le véhicule et le sortir des conteneurs, ou de la compagnie maritime pour faire rentrer le véhicule dans le bateau et le faire sortir. Et là encore, le propriétaire est soumis à l'obligation de présenter une assurance pour ce transport. Mais la compagnie, ou c'est vous qui proposez ce type d'assurance? Alors, on propose l'assurance, mais la compagnie marque et l'interdit de mettre tout effet personnel dans le véhicule. D'accord. Donc, de ce fait, s'il y a un vol ou une perte, ouais, c'est considéré, ouais, comme votre problème. D'accord. Ça marche avec les assurances. Non couvert par les assurances. Mm-hmm. Mais il faut contracter une assurance en plus de son assurance véhicule pour faire un transport maritime de véhicule, que ce soit l'import ou l'export. Mm-hmm. C'est une assurance transport, mm-hmm, et votre assurance auto ne couvre pas ce transport-là. D'accord. Alors, quand on regarde un petit peu ce que vous faites, on comprend bien qu'il y a le problème de la voiture, ça nous intéresse particulièrement ce soir, mais ne faites pas que ça, vous faites aussi des produits de santé, oui, avec un suivi particulier, et vous faites aussi l'alimentation. Tout à fait, oui. On transporte tout type de marchandises, alimentation, du mobilier. Bolloré Logistique, c'est un transitaire multiproduit, en conteneur essentiellement. On a aussi un service aérien au Lamantin, une agence en propre à l'aéroport avec une dizaine de personnes. Et en aérien, de la même façon, du périssable, du pharma, etc. Donc là, ça demande des suivis particuliers, forcément, des temps aussi de livraison, sûrement, obligatoires, ouais, ou déterminés. Sûr, bien sûr, parfois des contrôles aussi phytosanitaires, par, ouais, exemple, sur les fruits et légumes. C'est un métier qui demande énormément de connaissances sur tout un tas de produits différents et tout un tas de modes de transport
différents. Mm-hmm. Et on est là pour ça, parce que souvent, que ce soit particulier ou entreprise, qu'elle soit petite ou grande, ne connaît pas toutes les contraintes documentaires, de transport. Par exemple, un véhicule, il y a deux façons de le transporter. Et puis aussi douanier. Et l'aspect douanier est très, très important. Pour les véhicules comme pour le reste, il y a différents taux de droits et taxes qui s'appliquent. Mm-hmm. Et ça, bah, souvent, les personnes ne savent pas. Et on est là pour ça, on a un service douanier compétent. Petite question, justement, pour tout ce qui est cette logistique d'import-export, notamment par rapport aux assurances. Mm-hmm. Est-ce que vous marchez avec toute la législation des Incoterms? Oui, justement, bien sûr, très important. Donc, vous êtes soumis aussi, du coup, justement, à toute cette visibilité d'Incoterms qui évolue encore mondialement. Enfin, il y a eu il y a encore des mises à jour au niveau des Incoterms. Mmh. Et donc, vous êtes prescripteur aussi de conseils si on est en export ou si on est en DDP ou etc. Ou en FCA, oui, tout ouais. à fait. Donc, OK. Donc, ouais. Ça, c'est vraiment toutes les codifications pour parler un petit peu à parce que j'ai rien compris. je tiens à dire que... en fait, c'était une petite question que j'avais, mais on peut spécifier, mais je serais bien moins experte forcément que vous. C'est un peu la codification mondiale pour parler en termes d'importation, d'exportation, de un point A à un point B, qui est responsable du produit, véhicule, alimentaire, quoi que ce soit. On envoie un produit, même en particulier. Voilà, il y a une perte. Est-ce que c'est l'expéditeur, entre guillemets, qui est responsable de l'assurance? Et jusqu'où, en fait? Est-ce qu'il est responsable jusqu'au port du Havre? Est-ce qu'il est responsable jusqu'en Martinique? En fait, c'est vraiment toute la logistique de à quel moment qui est en assurance, enfin en règle du projet. Et aussi qui paye quoi, en fait, au départ. Oui, c'est ça aussi, ouais. J'ai pas précisé, mais bien évidemment la partie financière de qui paye quel frais à quel moment au niveau de la douane et autres. Alors, ce que je savais pas moi, c'est qu'on peut aussi avoir des groupages. Alors, il y a des groupages conteneurs qu'on connaît bien en Martinique, puisque évidemment, si on veut essayer de réduire un peu ses frais, on essaye de trouver un conteneur qui peut autoriser le produit qu'on veut envoyer ou recevoir. Mm-hmm. Mais vous avez aussi des... Bon, vous faites appel à des hubs, bien sûr, et vous avez des compagnies aériennes, vous l'avez dit. On peut faire du groupage aérien aussi, ça, je le savais moins, on va dire. Oui, tout à fait. Mm. Alors, là, c'est le commercial qui parle. Oui. Alors... En fait, le but de notre métier, c'est vraiment de proposer au client la meilleure solution pour le produit dont il a besoin. Souvent, on pense prix, on pense maritime, mais lorsque un client particulier ou professionnel a besoin de faire rentrer quelque chose, il a besoin d'avoir le meilleur moyen de le faire rentrer. En termes de relation coût, transport et durée. Parce que si vous avez besoin, par exemple, pour votre métier, d'une superbe caméra comme celle-là, pour tourner l'émission de la semaine prochaine si elle tombe en panne, mm-hmm. et que je vous dis dans 3 semaines elle arrive, ça va coincer. Mm-hmm. Donc souvent, notre but, c'est de conseiller nos clients, dans un premier temps, de leur apporter cet aspect technique. Votre collègue a parlé d'Incoterms. Le conseil, finalement. C'est notre métier. Le but de notre métier, c'est de le conseil en logistique, dédramatiser en administration, et de mettre à proximité les termes de transport et de permettre à tout le monde de le comprendre. De garder votre sang-froid, parce qu'il y a des choses qui ne dépendent pas de vous. Je pense à des grèves potentielles, oui. N'est-ce pas, hein, On l'a vécu. C'est notre quotidien de gérer les imprévus. On est surtout dans un monde d'information, donc on partage beaucoup d'informations avec nos clients. On propose beaucoup d'informations et n'hésitez pas, en tout cas en tant que professionnel ou particulier, à nous interroger. Alors justement, à venir nous voir justement, je pense qu'on a besoin d'être rassuré. Juste une seconde et après je te laisse la parole, mais dans le dur, justement, on rentre dans le dur entre guillemets, mais qui sont vos clients concrètement? Alors nos clients sont les grands groupes distributeurs premièrement, donc effectivement tous les grands groupes de distribution alimentaire, par exemple. Pour ce qui nous concerne, nous, on travaille beaucoup aussi avec les distributeurs de pièces automobiles. Les producteurs aussi ici, puisqu'on on a une partie de notre trafic qui est à l'export, donc les romiers par exemple.
C'est très, très, très varié. Très varié, en fait. Les hôpitaux, les petits magasins. L'industrie. On a vraiment un portefeuille télécom, client qui est complet. Les énergies. Donc, ce sont des gens donc, qui passent par vous parce qu'ils n'ont pas trouvé de solution ailleurs, finalement, aussi. C'est-à-dire qu'ils cherchent une solution spécifique, par exemple, a priori. Comme et ça. Ils ont besoin d'un savoir-faire. Ou de se dégager sur vous, finalement. Exactement, et de donner, en fait, à des professionnels. Mais la douane. Parce que la douane, c'est un vrai métier, très complexe. Le dédouanement, on va dire, c'est un vrai dédouanement, métier. Le dédouanement, tout à fait, et même le conseil douanier. Parce que lorsqu'on monte une entreprise, lorsqu'on veut faire venir un cadeau pour son enfant, on ne pense pas à la partie douanière. Lorsqu'on trouve une belle affaire sur Amazon et la belle surprise qui va avec et la le petit cadeau douanier. Oui. Voilà. Et notre but, c'est vraiment de vous apporter ce plus et d'être à votre disposition. Voilà. Et donc sur cette spécificité automobile du transport, par exemple, on a essayé de brosser un petit peu comment ça se passe pour un véhicule thermique. Maintenant, on est à l'ère des véhicules hybrides et électriques. J'ai lu qu'il y a environ, jusqu'à l'année dernière, la CMA-CGM avait interdit le transport des véhicules hybrides et électriques. Quelques mois plus tard, j'ai lu à nouveau que ça pouvait être possible à nouveau avec eux, mais en conteneur réfrigéré, ce qu'on appelle les conteneurs RIFER. À votre niveau, comment ça peut se passer si un particulier a son véhicule hybride, un véhicule électrique qu'il a acheté en métropole et il rentre s'installer en Martinique, est-ce qu'il peut rentrer avec sa voiture? Alors Jimmy, la question est bien posée. Juste pour préciser, tu as entièrement raison. Simplement, s'il y avait un risque au niveau des batteries, un risque d'incendie lié aux batteries, c'est déjà arrivé. Il y en a eu environ une soixantaine en 2020. Il n'y a plus personne qui voulait prendre le risque. Et ça devenait très compliqué. L'artifice. Et c'est là que Bolloré arrive et qui trouve des solutions. Alors, donc, pour répondre à votre question, il faut savoir que tout type de véhicules hybrides d'occasion sont hybrides comme électriques sont refusés à l'heure actuelle par la compagnie. D'accord. CMA-CGM. Voilà. Ils n'autorisent que l'embarquement des véhicules neufs. Les véhicules non immatriculés peuvent être chargés sur leur navire. Donc, des véhicules de concession, alors, à ce moment-là. Concession, oui, voilà, non utilisés, neufs, des véhicules neufs qui n'ont jamais servi, qui n'ont pas de problème non plus, de pièces, qui n'ont pas subi de réparation, d'intervention. Il faut savoir que c'est strict, c'est vraiment strict au niveau des documents aussi à fournir. Ces véhicules doivent être accompagnés de documents d'experts, émis par des experts, voilà, pour autoriser leur transport jusqu'à Fort-de-France. Donc à l'heure actuelle, le particulier qui a son véhicule hybride qu'il a acheté il y a quelques mois et qui par exemple est muté en Martinique, il ne pourra pas rentrer avec. En conteneur. Par contre, comme vous aviez dit tout à l'heure, il y a la compagnie Hug Autoliner, qui est la compagnie des véhicules roulants, qui permet de faire rentrer ces véhicules. D'accord. Donc à ce moment-là, c'est vraiment nous interroger et on vous proposera en fait la meilleure solution pour que vous puissiez le faire rentrer. D'accord. Moi, j'ai une petite question au niveau des tarifs parce que j'ai vu aussi des personnes que je connais repartir. J'ai eu l'impression que ça avait explosé entre il y a, on va dire, 4-5 ans et maintenant. Est-ce que vous confirmez mon impression? Et si oui, pourquoi, comment ça s'explique? Alors, rien, le prix des billets d'avion déjà, tu as tout compris. Oui, effectivement, déjà ça. Alors, au niveau des prix, sur la zone Antilles, on a été quand même très, très protégé. Donc, les prix n'ont pas tant explosé que ça. Il y a eu une augmentation surtout liée au niveau du carburant. Cette année, ça se normalise. À l'import. À l'export, on reste sur une tendance qui se suit. Donc Cindia a fait une fourchette de tarifs pour vous donner à peu près une idée entre une petite voiture jusqu'au pick-up, à peu près combien on aurait hors droits et taxes. Voilà, donc pour les petits véhicules faisant, enfin dire jusqu'à
12 mètres cubes, il faut compter au moins 2 182 €. D'accord. Voilà. C'est précis. Dans ces eaux, voilà. Sinon, il faut, pour les véhicules type pick-up, donc légèrement plus imposants, il faut compter 2 947. Pour le transport. Voilà, pour le transport. C'est une moyenne de nos, des dernières cotations qu'on a produites, voilà, pour nos clients. D'accord. Voilà, c'est une moyenne, mais... Mais vous avez fait fort, vous avez fait fort, hein, parce que vous avez pensé à ça, c'est génial. Peut-être qu'on n'aurait même pas osé vous poser la question. Si, si, moi j'avais le côté monétaire. Et tout ça, c'est hors frais. Tout est clair. Tout ça, c'est hors frais annexes et de douane. D'accord. Tout à fait. Après, il y a aussi juste un point. Oui, souvent, on n'y pense pas. On a fini déjà, il faut vraiment qu'on y aille. Et sur l'export, pensez que sur les petits véhicules, certains utilisent l'avion. Certains utilisent l'avion pour les petits véhicules. C'est des petits véhicules. Bah, bon, c'est possible. Bon, mais on le sait. On remercie Audrey Joly, responsable régionale des ventes Martinique. Merci à vous. Merci à Darvy Forestier, donc, qui est commercial, et Cynthia Delage, assistante commerciale. Vraiment, vous avez fait votre job ce soir, hein, c'est nickel. Vous allez faire 30% de chiffre d'affaires en plus grâce à nous, c'est génial. Voilà, vous allez voir des dizaines de voitures partir en avion. On vous remercie encore. Merci à Jimmy d'avoir pensé à cette idée. Et puis, donc, on fait une petite pause publicitaire et à très vite. Merci à vous. À très vite. Retour sur Maxi Martinique et grandautomobile.fr avec JM et toute sa bande qu'on applaudit bien fort s'il vous plaît. Bravo. Merci à Éléonore Théodose. Ouais, merci à Vanny Lemoulier. Ouais. Merci à Jimmy Thomas. Ouais. Et merci on a perdu. À... JM. Non, Andrea. Ah oui, Tufano. On allait le dernier pour la fin, le meilleur pour Andrea la fin. Andrea Tufano. Oui, si, mais oui, Tufano Monnier. Et surtout, merci à nos précieux partenaires comme Speedy Martinique et ses 6 centres de réparation automobile. Merci à l'Hôtel Batelière, notre hôte de l'émission. Merci à Joao Magazine, le magazine du savoir-vivre aux Antiguyennes. Merci au Crédit Mutuel Antiguyennes. Et merci à Crozatier Meubles et Décorations. Mmh. Allez, ben on va recevoir dans un petit moment quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que je connais déjà depuis pas mal d'années, parce qu'on se croise dans la concession. On va en parler dans un petit moment. Voilà, c'est, je retrouve ma fiche. C'est Guillaume Marie, donc conseiller commercial automobile depuis 8 ans. Il pratique le bodyboard ou le airsoft. Tu vois, Eleonore, tout de suite, ça lui parle, hein, parce qu'elle pratique aussi. Elle pratique aussi, hein, en dehors du canyoning, elle fait ça aussi. Hein. C'est parfait. Tu as un frère jumeau. Exact. C'est important de le savoir. Alors, c'est marrant parce que tu as la même passion que notre premier invité qui était donc Jean-Michel Cabrimol, merci, je vais y arriver. La cuisine, ah oui, les repas conviviaux entre amis, mm-hmm, tu es le roi de la grillade. C'est ça. Tu m'as mis LOL à côté, mais c'est vrai. Mais c'est vrai, oui. Tu es le roi de la grillade. Et c'est un vrai poste. Vous. J'ai remarqué, oui, ça. Hein. Oui, tout à fait. Au centre du dimanche ou du samedi, au centre de la exactement, famille. Exactement, voilà. Ça réunit tout le monde. Exactement. Des bonnes odeurs, des bons produits. Et surtout, tu as une autre particularité, c'est que tu as grandi en Afrique, en Côte d'Ivoire. Tout à fait. Et donc jusqu'à mes 8 ans, j'ai grandi là-bas avec mon frère, ma sœur. Et voilà. Donc, et tu es originaire de Monaco. De Monaco, c'est ça. Donc tu as connu le prince Régnier. Et voilà, et on a débarqué en Martinique par hasard et coup de foudre. Et puis on est resté là. Bon, alors on va parler de, bien sûr, de l'essai qu'on a fait de la DS7 restylée. Donc on va en parler, on l'a fait ensemble avec Andrea, hein, puisque donc Andrea est destiné à, dans quelques temps à faire aussi des essais automobiles. Donc c'est pour ça qu'on est ensemble sur ces opérations-là. Mais avant de parler de ça, je voulais juste comme ça savoir si vous avez été touché ou si vous avez entendu ce qui s'est passé un peu cette semaine avec entre autres Sébastien Loeb. Ça vous dit quelque chose? Champion, 9 fois champion du monde de WRC. Qui reprend le cerceau. Qui reprend le boulot. Il reprend le cerceau, Sébastien. Il reprend le boulot. Mais bon, avant de reprendre le boulot, il a fait quand même une petite... sortie de route, on peut le dire. Déclat.
un petit éclat, une petite déclaration particulière où il dit, bah, écoutez, le problème avec... parce que vous savez qu'en France, métropolitaine, on parle de passer des autoroutes de 130 à 110 km/h pour des questions d'économie d'abord, de CO2 et d'économie de carburant, mais aussi pour des questions de sécurité par définition. Et notre Sébastien Loeb adoré dit, bah, écoutez, moi, le problème, c'est qu'à 110 km/h, bah, j'ai tendance à m'endormir alors qu'à 180, je suis en pleine forme. Donc voilà. Donc bon, on a trouvé ça un peu coquin, un peu particulier. Ben oui, particulièrement, je ne sais pas vous dire ça, mais bon. J'aime la bafouille, ça y est, le retour. Donc voilà, bon, bah, c'était un peu dans le monde du rallye WRC, bon, ils ne semblent pas trop comprendre les intérêts d'une discipline obligatoire, elle, c'est-à-dire celle de rouler sur route ou autoroute à la vitesse autorisée pour la sécurité de tous. C'est aussi une affaire de CO2, peut-être, mais bon, quand on est à 230 km/h dans les villages français, espagnols et portugais, ben, on oublie que tout le monde n'est pas Sébastien Loeb, et qu'à 180 km/h, il y a des gens qui se tuent, à 110 aussi d'ailleurs. Mais voilà quoi, je veux dire, il faut à un moment donné endosser la responsabilité de sa notoriété. C'est un peu dommage qu'il l'ait dit. Bon, je pense qu'il va revenir en arrière, sûrement. Jimmy, t'en penses quoi? Tu veux vraiment que je réponde? Une fois que c'est tu dit, parles c'est un converti là. Non, un peu de raisonnabilité, il faut faire la transition dans sa tête. Il faut être raisonnable. Ça suffit. Je vous rappelle quand même que le week-end dernier, il y a 15 jours, on a eu 2 morts encore en moto, 2 jeunes de 25 ans, c'est terrible. On a un jeune homme qui s'est tué à Ducos en voiture, tout seul dans la nuit. Voilà, donc on a quand même des morts sur nos routes. Et donc ce genre de déclaration-là, franchement, est inapproprié, je pense. Alors après, ça n'empêche pas que c'est un super champion, que c'est un mec génial sûrement. Mais je veux dire, voilà, je ne le connais pas personnellement. Un brin provocateur. Dans le contexte d'une route... Aussi, peut-être. Aussi, je pense. Ouais, dans le contexte d'une conduite sur route ouverte, oui, c'est inapproprié. Oui, c'est bon, alors après, il habite en Suisse. Hein, donc, et en Suisse, c'est très strict. C'est 130 km/h. Mais si tu dépasses les 130, c'est tout de suite, c'est retrait de permis. Hein. Donc, il se lâche en France, en fait. Donc, c'est cool. C'est moins curieux. Bon, Sébastien, si tu nous écoutes, viens parler avec nous ici. Je vais pas lui envoyer d'invitation tout de suite. Je vais attendre un peu. Allez, écoutez, franchement, on a fait un super essai là, il y a une dizaine de jours, qui est disponible sur grandtourmobile.fr, donc la DS7 qu'on connaît bien, parce qu'on l'a essayé dans toutes les boutures, dans toutes les coutures. On a essayé les DS7 thermiques, diesel, alors on les fait un peu moins aujourd'hui, mais on a fait la DS7 hybride, on a fait la DS7 e-tense 100% électrique. Mmh. Et cette voiture qui est le fleuron de la marque, parce que c'est la voiture la plus vendue, exact, de la gamme. Il lui fallait donc un petit restylage sans trop toucher au grand contour, parce qu'elle plaît beaucoup. Tu as tout compris, effectivement. L'idée, c'était vraiment d'affiner, de mettre dans le goût, l'air du temps, j'ai envie de dire. C'est vrai que ça fait partie, effectivement, du principe du restylage, hein, de tous les véhicules. Mais effectivement, il ne fallait pas trop bouger une valeur sûre. Donc, c'était juste, effectivement, affiner les lignes du véhicule pour le rendre un petit peu plus agressif. Parce que lorsque vous voyez la version Performance Line, d'ailleurs, que tu as essayé. Que j'ai essayé. Effectivement, avec tous ces détails noirs, la calandre noire. Il y a effectivement une démarche de retirer, effectivement, le Chrome Detox. Oui. Donc, effectivement, plutôt réussi sur ce modèle. Oui, donc c'est-à-dire qu'on a réduit sur les chromes, donc c'est bien ça. Et on a fait autre chose aussi, on a le mot crossback disparaît. Tout à fait, l'idée aussi c'était d'affirmer la marque, de mettre en avant DS Automobile comme une vraie entité. Et effectivement, le logo trônant effectivement sur la face arrière, entre les deux nouveaux phares LED, ça fait effectivement son effet et ça appuie la marque effectivement dans son identité propre. Effectivement, une très belle ligne. Faut que tu t'approches ton micro. Qu'est-ce que vous en avez pensé à la conduite? Si t'approches pas ton micro, ça va pas aller. Qu'est-ce que vous en avez pensé à la conduite? On va y venir justement. On va y venir dans un petit moment, si t'es d'accord. D'accord. J'ai hâte d'avoir votre impression. Non, mais on va y venir, je te promets. Donc on est d'accord à peu près sur tout ce que tu viens de nous dire. C'est ce qu'on a constaté, nous, en tout cas, en essayant la voiture. Après, je dirais, il y a un ADN aussi confort, quoi. Hyper confort. Mmh. Avec des détails aussi premium, très premium. Alors je pense bien sûr à la montre BRM qui capote ou qui se décapote en fonction se déploie avec élégance. Qui se déploie avec élégance, voilà. Qui est une marque française d'ailleurs. Qui se décapote. Jimmy, tu es en train de C'est un mot français, c'est un mot qu'on peut utiliser pour d'autres raisons que. Pour les décapotables, tout simplement. Voilà, aussi. Entre autres. Non, mais ça donne un petit côté. Finir, il l'a dit de façon beaucoup plus élégante. Alors voilà, il va le redire d'ailleurs. Coupé dans son élan. Exactement. Il va le redire d'ailleurs. Vas-y, redis-le. Effectivement, BRM est une marque française d'horlogerie. Tout est fait à la main. Voilà, donc ça fait partie effectivement aussi de l'identité de la marque, puisqu'on finit effectivement
des véhicules à la main. Alors c'est peu commun, mais en tout cas tous nos volants sont gainés main pour garantir une qualité effectivement de matière et le savoir-faire français, puisque bon, bah, l'idée aussi de la marque, c'est de mettre en avant ce savoir-faire, parce qu'on rayonne... Artisanal, finalement, quelque part. Oui, parce que bah, le monde entier vient à Paris pour acheter nos marques de luxe. Mm-hmm. Il y a un vrai savoir-faire. Mm-hmm. Et bizarrement, il n'y avait rien dans l'automobile. Donc, la marque est née un petit peu de toute cette réflexion. Et là, on arrive sur les nouvelles générations où, effectivement, on a mis tout ce qu'il fallait aussi, tout ce qu'il y a, la technologie. D'ailleurs, toutes les versions hybrides sont équipées de séries des suspensions actives, donc le scan active suspension. Plutôt révolutionnaire, hein, puisque ça scanne la route et ça adapte effectivement les suspensions à la route. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut moduler son mode de conduite en mettant en sport. Et là, on a un autre véhicule, donc c'est plutôt réussi. Alors, cette histoire de caméra, c'est vraiment quand même génial. Hein. Mmh. C'est-à-dire que tu vois, pour prévenir, par exemple, un gros trou que tu n'aurais pas fait attention, bah, la voiture, elle va adapter la suspension. C'est génial. Donc, c'est vrai que ça prend tout son sens ici, en Martinique. Mmh, bien sûr. Donc, les clients sont très satisfaits. Et d'ailleurs, souvent, c'est l'item premier. Hein. Les gens, dès qu'ils essaient une DS7, c'est vrai qu'on est vraiment dans cet effet de confort absolu. Et voilà, avec le petit plus savoir-faire français qui va bien. Alors, la DS7, elle s'adresse à qui finalement ? Un peu à tout le monde et en même temps à ceux qui ont envie de se démarquer aujourd'hui, d'être un petit peu différent. Et donc, la cible est plutôt large. On a une forte percée dans les professionnels, puisqu'on est quand même une marque française. Donc, on rentre quand même dans ce qu'on appelle les car policy de la plupart des sociétés, ce qui aide aussi aux véhicules hybrides rechargeables à bien se vendre. Mais aujourd'hui, on voit aussi des gens qui ont envie de se faire plaisir. Bon, on prend aussi une certaine clientèle allemande qui, aujourd'hui, voilà, on vit un petit peu de changement. On a une clientèle allemande, une clientèle qui était plutôt attirée par les voitures allemandes. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que ce qui joue en notre faveur aussi, c'est les conditions de route sur la Martinique, puisque, effectivement, c'est notre fer de lance, le confort absolu, les suspensions. Donc, voilà, aujourd'hui, dans un bel écrin, c'est toujours un plus. Alors, oui, effectivement. Et alors, donc, je reviens un tout petit peu confort avec la qualité donc, de la siégerie intérieure, avec vraiment presque de la haute couture, j'ai envie de dire. C'est ça, puisqu'on utilise aussi... Alcantara d'un côté, cuir plein de fleurs de l'eau. Voilà, on a toujours du cuir plein de fleurs. D'ailleurs, on utilise les meilleurs cuirs au monde, hein, puisqu'on a même du cuir Nappa sur certaines finitions. Le cuir Nappa, d'ailleurs, qui est un cuir de taureau élevé en plein air, sans barbelé, sans moustique. Ça, c'est ce génial. Qui abîme d'ailleurs le cuir. Et effectivement, la particularité du Nappa, c'est que c'est un cuir lisse. Voilà, et on évite tout ce qui est produits chimiques. D'ailleurs, DS réinvestit dans les métiers d'art perdu. Donc, d'ailleurs, on travaille aussi avec le fameux Clou de Paris. Donc, le guillochage Clou de Paris. Pardon, oui. Qui est un effet sur tous les chromes utilisés dans l'horlogerie de luxe. C'est intéressant. Et d'ailleurs, tous les habitacles de DS sont en aluminium pur. Du coup, effectivement, c'est aussi un gage de qualité hein, sur les produits. Mm-hmm. Et le point perle, donc, c'est une technique de haute couture qui d'ailleurs, à la base, c'était une erreur une fabrication, une fabrication et effectivement ça avait fait cette espèce d'effet perle, donc une petite boule, et en fait c'est un renfort aussi de couture, et du coup c'est là aussi ça fait partie de la marque de fabrique sur nos véhicules haut de gamme. Et on a aussi les fameux cuir bracelets qui sont faits avec une seule pièce de cuir, et c'est un vrai travail de couture et de pliage. Effectivement, ajouter à ça avec les sièges haute densité, donc ils sont des mousses un petit peu comme les nouveaux matelas. Voilà, donc tout ça combiné, effectivement, on a un confort absolu. De surcroît, on a des versions où vous avez même le cuir ventilé, c'est-à-dire que vous avez des micro-perforations dans le cuir, et on a la clim dans le dos. Alors j'avoue qu'ici, ça peut donner quand même un petit confort supplémentaire. Plus, parce que quand on aime le cuir. On a quand même conscience qu'on est aux Antilles, que bah, ça chauffe. Ça garde la chaleur. Et là, on arrive, on se met la clim sous les fesses. C'est génial. C'est très intéressant. Ce n'est pas la première fois qu'on fait le lien justement entre les métiers artistiques de la haute couture et l'automobile. On avait déjà eu des chroniques dans cette émission. Et là, vous le rappelez sur cette marque. Donc, merci beaucoup. Ça donne envie. Parce qu'au-delà de la voiture, on a envie de voir sa finition, l'impression lorsqu'on est amoureux du détail et de l'esthétique. Mais dans ce qu'il y a de plus beau, c'est vraiment...
un très beau symbole. Et ce qui est encore plus fort, c'est que j'ai rencontré la directrice à Paris, j'étais en formation là-bas, et j'ai rencontré la directrice des matières et produits. Et DS, de toute façon, se tourne vers tout ce qui est matières recyclables, les matières même véganes, ce qui est aussi une tendance aujourd'hui. Donc de plus en plus, on part, d'ailleurs, les futurs modèles... ils ont vraiment une démarche aujourd'hui vraiment de mettre en avant... Enfin, ils veulent sortir des choses qu'on ne voit pas ailleurs. Mmh. Voilà. Sans t'interrompre, s'il y a une vraie... Enfin, pour abonder dans le sens d'Eleonore également, s'il y a une vraie particularité, en tout cas pour DS, parce que ce sont des techniques d'accueil et de confort, que, en fait, d'artisanat, de création, que l'on retrouve sur des marques d'hypercar. Oui, tout à fait. Pour la grande majorité. Donc, pour rebondir sur ce que tu dis, effectivement, DS a même des fournisseurs de cuir en commun avec Bugatti. Oui, entre autres. Okay. Entre voilà. autres, effectivement, tu là, fais... Là, on touche le luxe, là. Ah oui, oui, totalement. Tout à fait. Et ça va s'accentuer de plus en plus. Alors, on est sur une voiture qui est hybride, hein, on le rappelle, sans câble, rechargeable. Hybride rechargeable. Rechargeable, voilà. Pour le moment. Voilà. Et donc, elle présente donc une capacité de, enfin une autonomie, on va dire, de à peu près 65 km, donc supérieure aux anciens modèles, finalement, c'est ça, quelque part. C'est ça. Et donc, en plus, on a remarqué, en faisant notre parcours jusqu'au Marin, qu'on avait roulé à peu près 80% du temps en électrique. Mm-hmm. Donc, c'est-à-dire que le système de batterie prend un vrai relais, et que pour une fois, je dis pour une fois, c'est un peu méchant pour les constructeurs, mais souvent, on a un décalage entre ce qu'annonce le constructeur et puis ce qu'est l'autonomie réelle d'une voiture de ce type. Et là, pour le coup, on a été plutôt surpris parce qu'on était bien à ce que disait le constructeur. C'est facile d'avoir cette information quand tu conduis hop à la fin de ton trajet. Ah oui, je vérifie. Oui, ça vous fait chaque fois un récapitulatif. Ah, ouais. Donc vous avez le nombre d'émissions. Vous pouvez rouler, par exemple, moi je roule en zéro émission, en hybride. Mm-hmm. Parce qu'en fait, bon, j'habite pas loin du travail, donc c'est quand même un avantage. Je roule qu'en électrique en vrai. Et il n'y a vraiment que le week-end où vraiment, quand j'ai envie de me faire un petit peu balader un petit peu en Martinique. Mm-hmm. Et ben là, je rogne un petit peu sur mon carburant. Mais en vrai, je roule. Ça, depuis un mois, je n'ai pas encore mis de carburant dans la voiture. Vraiment. Donc, c'est plutôt... Pour les petits rouleurs, c'est intéressant. Respirer. Donc parfois, on pense ne pas... Enfin, garder ce qu'on a et pas investir. Et parfois, ben, en faisant l'investissement, on gagne de l'argent. Oui, en plus, là, ce qui est intéressant avec les hybrides, c'est que vous avez un moteur 4 cylindres, 16 soupapes. Bon, pour ceux qui aiment bien, c'est un 1,6 litre, 16 soupapes, 180 chevaux. 225 chevaux, 225. En fait, c'est un cumulé. 180 et cumulé à 225, voilà. Effectivement, en hybridation. C'est-à-dire que vous avez une batterie, un moteur en fait, électrique sous la boîte de vitesse, d'ailleurs, de 110 chevaux, donc effectivement. Mais ce qui est intéressant, c'est de pouvoir acheter un véhicule 16 soupapes avec du couple, sans pour autant payer des malus. Parce qu'aujourd'hui, les malus, ça s'envole. Alors, on va arriver à la fin de cette émission malheureusement, mais il y a quand même quelque chose à relever qui est extraordinaire dans ce qui s'est passé avec cette DS. En dehors des écrans qui ont été aussi revus avec une qualité supérieure en termes de pixels. Oui, tout à fait. On est en 4K, je crois, sur la caméra de recul et tout, c'est magnifique. Ah oui. Le système DS Night Vision qui a été fait pour voir les obstacles, même de nuit à une longue distance. On a d'abord téléphoné à Eleonore pour savoir, DS a téléphoné à Eleonore pour savoir son expérience personnelle. Et c'est comme ça qu'ils ont créé le DS Night Vision. Je vous assure que c'est vrai, mais je vous promets, c'est qu'en ce moment, je roule avec un phare. C'est pas possible. Allez, les filles, qui sont les contrôles techniques. Là, donc, je vais aller acheter une ampoule. Non, mais c'est un super moyen de se faire des amis. Ouais. Parce que régulièrement, il y a des gens qui me disent. Je vais m'enlever un phare. Excusez-moi. Je vais m'enlever un phare ce soir. Ouais, je te jure. Guillaume, merci franchement d'être venu. C'est super sympa. Donc, Guillaume, qui est donc commercial automobile, vous le savez, donc je vous l'ai dit, pour DS. Donc, on recevra la prochaine fois Anthony Bargoin. Vous êtes deux pour cette marque DS. Qui est vraiment magnifique. Il y a la nouvelle DS3 aussi qui arrive, qu'on va essayer dans les jours qui viennent. Elle est là, ça y est. Elle est déjà là et on va l'essayer donc avec un grand plaisir. On va essayer aussi la marque qui est de l'autre côté, c'est Citroën. On va essayer l'IC4 aussi. Mmh. Donc voilà, un autre modèle encore, de toute façon du même groupe, hein, Stellantis. On l'applaudit. Merci Guillaume. Merci d'être venu. Reste avec nous, ne bouge pas. Super. J'ai pas développé sur les batteries françaises qui arrivent.
les moteurs électriques français. Une prochaine fois. Bon, une prochaine fois oui. Franchement, voilà, on est obligé de malheureusement de mettre fin à l'émission. Oui, vous étiez donc avec les expertes et les experts automoto en studio, monté à l'hôtel Batelière, que je remercie au passage, avec grandtomobile.fr et Maxi Martinique qui diffuse le programme RMC Anti. C'était donc la bande AGM, on peut s'applaudir encore. Merci à Éléonore Théodose, on peut l'applaudir, Vanny Le Moulier, Jim Tomer, okay. Andréa Tufano et bien sûr JM de la bande AGM. Yeah. Ah ouais. Yeah. Merci à nos partenaires Speedy Martinique et les six centres de réparation de la marque. Jo Magazine, le magazine du savoir-vivre aux Antilles Guyane qui sort son nouveau numéro en ce moment. Crozatier Meubles et Décorations. Quand c'est beau, c'est durable, et bien c'est Crozatier. Voilà. Et le Crédit Mutuel Antilles Guyane, spécialiste des solutions de financement automobile. Merci à Régis Despont et sa collègue. On a le nom, Vanny. Vanny qui s'est endormi en fait, hein, pour tout vous dire. On a le nom de sa collègue de l'association AKL. Oui, Alexandra, voilà. Donc merci à eux deux. Donc merci à la société Bolloré Logistique, à Audrey Joly, à Darvi Forestier, à Cynthia Delage. Et puis donc merci à Jimmy Tomer qui a donc reçu ces gens-là. Qu'est-ce qu'il a fait au fait, Jimmy? Tiens donc, il était là. Et puis donc bien sûr, merci donc de nouveau à Guillaume. Marie, conseiller commercial chez DS. Eh bien, ce week-end, retrouvez tout le sport sur RMC Anti, diffusé par Maxime Martinique. Et dès lundi, retrouvez la matinale d'Apolline de Malherbe, vous le savez, suivie du Moscato Show, qui sera présenté un jour, je suis sûr, par Éléonore. Je suis certain de ça, un jour ou l'autre. Le Moscato Show. Oui, le Moscato Show. Le Moscato présenté par Éléonore Théodose. Moi, je trouve ça génial. Show. À la semaine prochaine, à tout le monde. À bientôt. Vendredi. À 18h, n'oubliez pas, à vendredi prochain.